Salut salut les amis, c'est Food for Fun, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, défi création d'équipe, DCE live, joueur à surveiller, été échangeable, donc cet été il y a eu pas mal de transferts, il peut être intéressant selon ce qu'on récupère, ça peut être sympa, donc pour ce DCE là, il fallait un joueur à surveiller, un joueur de l'équipe de la semaine, une note générale à 84 et un collectif de minimum 50. Donc ce DCE là coûte environ 110 000 crédits. Les prix montent, c'est hallucinant. Jonas par exemple, je l'ai payé le prix fort à 10 000. Ça devient du n'importe quoi. Donc dépêchez-vous ou alors attendez les derniers jours pour le faire. En tout cas, je vous l'ai fait. Voilà ce que je vous propose. Steve Mandanda. Je ne l'ai pas acheté 9000, hein, si ça peut vous rassurer. Et il coûte 1008, je crois. Donc, Steve Mandanda. Daniel Subasic. Adil Rami. Luis Gustavo. Alban Lafont en équipe de la semaine. Stéphane Ruffier. Cesc Fabregas en joueur à surveiller, Giuliano, Ousmane Dembélé, Jonas, et pour finir, Roberto Firmino. Voilà les amis, on soumet l'équipe, et on va voir quel joueur à surveiller de cet été. Nous allons récupérer. On a du gris déjà, ça devient intéressant. On a du gris. On croise les doigts. Brésilien, milieu gauche. Oh putain, c'est pas Philippe Anderson. Dommage, c'est Richarlison. C'est dommage. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Honnêtement, j'y ai cru. J'ai vraiment cru à Philippe Anderson. Bon, c'est Richarlison, ça doit être... ça doit pas coûter trop cher non plus. 26 000, ouais, 27 000 crédits environ. On va les vérifier. Ouais, c'est ça. C'est ça, 27 000 crédits, malheureusement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao les amis.